sens que la gola non. Mais ce n'est pas facile. Tu gardes la boue pendant 6 mois, mon frère. J'espère seulement que le rendez-vous d'aujourd'hui va marcher. J'espère. Tu as bien la chose aussi. Regarde, c'est un 9. Asseyons-nous.
Tu es là, tu regardes la télé, chaque jour tu regardes les fofoé, chaque jour, tu peux pas lire l'heure. Hé hé, what the fuck. Ça va accoucher les enfants. Après, on va dire que c'est mon petit frère. Tu dis que, tu dis que le truc, c'est la montre ici, fait comment? Regarde, regarde, maintenant c'est surtout ça. Après, regarde, regarde, petit, petit, ça passe, ça attends, passe vite. Attends, et attends, attends, ouais, calme-toi. Quand on dit que l'amour, qu'on lit, lis-le, que tu dois lire, ça veut dire que tu regardes d'abord ceci, ceci, la petite aiguille. Donc la petite aiguille, c'est le. Tu comprends, non? Oui. La grande aiguille, c'est quoi? Les minutes. Donc c'est ça qui est important sur la montre. Tu lis le et les minutes. Et bien, il dit quoi? Que la grande aiguille, c'est le. Qu'est-ce que je dis? Oui, 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 non. La grande aiguille, c'est l'heure. Parce que l'heure, c'est le plus grand, non? L'heure, c'est plus grand. Plus grand que quoi? Que la minute. Ah, enfin, si. Regarde, écoute bien. Quand tu veux lire l'heure, comme tu vois l'aiguille ici, là, c'est sur deux, non? Deux, là, c'est l'heure. Ça veut dire qu'il est 2 heures. Quand tu vois. 2 heures. Ouais, écoute, tu connais l'île. Tu connais l'île. Non. Voilà. Quand la grande aiguille, tu vois, c'est sur 11. Ça veut dire qu'il est 2h10. 10 minutes. 2h10. 2h10 comment? Si c'est sur 10, quand 1 comme ça, c'est 5. 2 c'est 10. 3 c'est 15. Donc ça va de 5 en 5. Donc sur 10. C'est combien? 10 c'est 20. 10 c'est 50. 5. 50 comment? Comment ça peut devenir 50 alors que c'est 10? Même pas que ça fait même 20. J'ai dit 5 en 5. 5. 10. Ok. 15. Okay. Écoute. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. C'est combien ici? Après 45. Ajoute 5. 15. Tu vas être chaud, mais petit. Hey, il est plus petit. Ta mère la t'a envoyé. Que Dieu reste avec moi. Pour comprendre, mais petit. Je vois que tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Tu vas échouer. Tu es un jeu. Mais c'est comment? L'année passée, tu as fait déjà échouer. On a dit que oh, c'est parce que tu es dans le village. Viens ici. Tu vas lire là aujourd'hui. Tu as bien compris. Oui. Tu as bien compris l'explication. Tu regardes. C'est là-bas que tu regardes. Tu regardes ici. Je regarde ici, non? Donc tu peux y aller. Oui, oui, oui. Regarde, dis maintenant. Il est 3h12. 3h12 comment? Mais tu as dit que la petite aiguille c'est la grande, non? Mais c'est l'heure. Où est la petite aiguille? Ça. Tu dis combien? C'est à partir de 7. C'est sur combien? La petite aiguille, c'est combien? Sur 8 maintenant. Regarde, ça part vite. Je vais. Je t'ai dit que voici la petite aiguille. Où? Ceci ne compte pas. Ceci ne compte pas. Ne regarde. En tout cas, moi j'ai rendez-vous aujourd'hui. Donc, mais avant de partir, avant que tu sortes ici, tu vas lire le. Tu vas lire le aujourd'hui avant que je ne parte. Prends. Tant que tu n'as pas lu. Ne sors pas d'ici. Ça se veut quoi? Lis-le. Ah. Je n'aime pas ça. Regarde là. Non, il me donne des trucs comme ça. Oh, est-ce qu'on utilise encore des trucs-ci? On utilise maintenant le téléphone pour lire là, non?
Je t'ai dit que tu vas lire 17 ans. Tu es encore en 3ème, tu es en 3ème à 17 ans ton âge et tu ne peux pas lire. Il y a mes égaux qui sont même encore en 5ème, d'autres même en 6ème, il y a même d'autres qui n'ont même pas encore le 7. Calme-moi en 3ème, calme, ne passe même jamais. Toi tu m'aides d'abord, c'est avec tes pieds que je suis parti en 3ème. C'est avec ma tête. Il y a un petit devoir comme ça qui vient sur un te demander que tu m'aides. Tu ne peux pas m'aider, un faux grand frère comme ça. Ouais, tu vas lire le, maman, tu vas lire le. La fille que tu vas aller voir là, tu vas lui dire que tu es bête. Quand tu vas finir lire le, tu vas dire que je suis bête. Quand elle demande de draguer les filles, elle les emmène ici dans la chambre. Tu regardes seulement un peu pour eux. Tu as lu? Oui, il a lu. Tu as lu? Il a lu, non, c'est quoi? Il a lu. Il est quelle heure alors? Il est 16h25. 16h25? Tu n'es pas 16h25? Je ne sais même pas. Oh, tu sais pas où? Je ne sais pas pisser, non. Tu as lu? J'ai lu. Assieds-toi. Je vais pisser là-bas, non. Viens t'asseoir. Si tu ne lis pas, tu ne vas pas pisser aujourd'hui. Même la loupe, tu ne vas pas. Je vais pisser ici, là. Pisse. Tu prépares là-bas, même. Le cook. Ok. Attends, je connais à l'heure. Tu connais les gars, là. Il est 01. 01, oui. 01. Tu sais comment ça va qu'il est 01. Les deux aiguilles sont sur 1. 1 moins 1 est égal à 0, non? Ha! Ton cas là, non? Mais encore, je parle, moi, à nouveau. Ah, moi, je n'ai pas voulu lire. Mais je rentre, tu vois, lire. Mais encore, je parle à nouveau. Fini à l'outil là, je ne peux pas vite. Tu prends rendez-vous, tu peux payer les gros sons pour les filles. Mais hein, tu ne veux pas préparer dans la maison, c'est moi qui dois préparer. En tout cas, je vais dire à papa, on t'envoie l'argent du mois, tu dépenses ça sur les filles. Même mon ami, moi, tu me donnes même pas, tu me donnes 2000, c'est 45 000 fois, tu me donnes 2000. En tout cas, moi et toi.